en pleine circulation, impossible de la repérer. 8 heures par jour, cette voiture radar sillonne les routes de Toulon. L'appareil fonctionne à la fois en éloignement et en approche. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez un véhicule qui va dépasser notre véhicule, eh bien, s'il respecte la limitation de vitesse, il ne passera rien. En revanche, il est au-dessus, automatiquement, ça va générer une photo et ça va nous mentionner donc, la vitesse enregistrée. Donc là, vous avez une vitesse 81 km/h pour 70. Donc vous êtes sur un excès de vitesse de moins de 20 km/h, et donc une contravention, 135 € et un point en moins. Voilà. Ces policiers enregistrent avec ce véhicule entre 50 et 70 infractions quotidiennes. Une répression indispensable selon eux pour tenter de modifier le comportement de certains conducteurs. Simplement le fait de savoir que dans le département, il y a 8 véhicules qui tournent tous les jours, bah, ça doit faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de radar ou parce qu'il n'y a pas de policiers en tenue qu'ils sont, ils resteront impunis dans leur comportement. La vitesse est l'une des principales causes d'accidents mortels. Depuis le début de l'année, 38 personnes ont perdu la vie sur les routes du Var.